Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing pour changer un petit peu, voilà, de la boutique GBFKE. Voilà, donc ça fait déjà quand même plusieurs fois que je travaille, enfin que je suis en partenariat avec eux. Et tout se passe toujours très bien. Bon, ici c'est un petit peu patouillé, pas de leur faute à eux. Pas du tout, c'était de ma faute à moi. Mon adresse email est tombée en panne à un moment. Et à chaque fois que j'essayais de lui renvoyer le message me revenait non distribué. Donc j'ai mis quelques jours avant de voir ce qui se passait, parce que ça m'arrivait avec d'autres emails, d'autres messages. Et puis en fin de compte, c'était ma boîte mail qui était en panne, qui était bloquée, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc du coup, on avait fait cette collaboration le 30 septembre. Voilà, vous voyez, donc il y a quand même presque un mois là qui s'est... Ah, je trouve plus mes mots. Enfin, vous m'avez compris. Bon, le principal, c'est que j'ai reçu le colis. Voilà, ouf. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter... Alors, en plus, dans ma commande, j'ai fait des bêtises. Voilà. Bon, ça, c'est rien, c'est moi. Hein, ça ne change pas. Il va y avoir un DP, voilà, une broderie et un accessoire. Voilà. Alors, l'accessoire, je suis un peu en colère contre mon facteur. Parce que, bah, devant moi, il a fait tomber le colis par terre. Et bah, il m'a cassé... Enfin bon, ça va, je peux m'en servir. Mais bon, il m'a cassé l'accessoire. Voilà. Mais je ne l'ai vu qu'après. Parce que bon, il a ramassé le colis. Il en avait plusieurs pour moi. Il me les a donnés. Bonjour, au revoir. Hop, j'ai fermé ma porte. Et si après, j'ai réfléchi, j'ai entendu un gling quand le colis est tombé. Donc, j'ai ouvert celui-là tout de suite en premier. Et effectivement, il m'avait cassé l'accessoire. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave parce que bon, il faut qu'il fasse attention. Donc, je vais vous présenter ça. Alors, je vous montre tout de suite l'accessoire. Parce que là, j'ai pas besoin d'être face bureau pour vous le montrer. Alors, c'est une petite boîte comme ceci. Alors, vous voyez, je vais vous montrer où c'est cassé. Hein. Vous voyez, du coup, bon, ça va, ça fonctionne encore. C'est une petite boîte comme ceci. Alors, ce que je trouve dommage à cette boîte, c'est qu'il n'y a pas de charnière. Voilà. Donc, moi, je mettrai quand même un élastique autour pour pas que ça s'ouvre. C'est le seul petit truc qui me chiffonne un peu. Voilà. Et donc, vous allez avoir des... Alors, il y en a 4, 4, 8, 12. 12 petits contenants, comme ceci. Hop. Voilà. Donc, c'est pas des grands, hein. Mais j'ai pas pris ça pour le Diamond Painting. Je suis toujours à la recherche d'un système pour ranger mes perles à broder. Alors, je verrai si ça va. Bon, ça me paraît petit quand même pour mes sachets de perles, mais je verrai. De toute façon, je vais m'en servir. Alors, je vous montre où c'est cassé. Alors, c'est fondu. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, est-ce que j'ai... Oui, vous voyez, hop, là, c'est fondu ici. Et c'est fondu ici. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais quand même remettre de la colle au-dessus, en dessous, pour pas que, bah, que ça se fende plus. Voilà, mais bon, ça va, le couvercle est entier. Mais bon, ça fout les boules quand même. Hein. Donc là, ça n'a rien à voir avec la boutique. C'est mon facteur qui me l'a cassé. Alors, hop, je remets ça. Maintenant, je vais vous présenter face bureau, le DP, et je vais vous présenter également la broderie. Et vous allez voir que j'ai fait une bêtise. Je commence par ma bêtise. Alors, c'est une broderie.
Et comme vous voyez, celle-là, c'est la première. Non, c'est pas la première fois. Il y a 3-4 ans, je crois. J'en avais reçu une. J'en avais. Là, que j'avais commandée, je ne sais plus où. C'était exactement la même marque. Donc, c'est la marque APT. Mais après, je ne sais pas lire. Et tout est. Je crois que c'est du russe. Je pense que ça doit être marqué en russe. Je ne sais pas lire le russe. Hein, donc, voilà. Alors, j'ai craqué sur cette photo. Oui, elle est super belle. Elle est magnifique. Alors, ici, on a en pochette. Voilà. Donc, c'est une petite pochette avec une pression. Donc, c'est pas mal. Attendez, je vais tout vous sortir. Vous voyez? Donc, je vous remontre le dessin. Voilà. Alors, c'est une 14CT en taille 40-50. Voilà. Donc, j'enlève tout. Donc, on a ça dans la pochette. Donc, qui nous explique les différents points. Bon, c'est en image, donc ça va. En dessous, je vous dis, je pense que c'est du russe ou je sais pas. Je regarde si c'est marqué quelque part. Non, même pas. Il n'y a pas un seul mot ni de français ni d'anglais. Donc bon, c'est rien. C'est pas grave. Voilà. Les explications. Alors, ensuite, on a un patron en papier glacé. Voilà. Hop. Donc voilà la première partie. Vous voyez, très grand, très bien imprimé, hein. Alors, ah, attendez, c'est imprimé dans quel sens? Alors, le dessin. Ah oui, non, le dessin est comme ça, oui. Excusez-moi, c'est moi, je ne comprenais pas. Désolée. Donc, voilà. Vous voyez, niveau impression. Et de l'autre côté, on a la suite. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Ouais, dans ce sens-là. Alors, petite chose. Ici, on va avoir, donc on a 34 couleurs, mais on n'a pas les références DMC. C'est dommage. Vous voyez? Parce que si vous voudriez le refaire une autre fois ou quoi, ben là, vous n'avez pas les références DMC. Là, j'ai une aiguille. Bon, il y en a une. Et j'ai les fils. Alors, les fils, par contre, sont magnifiques. Ils sont d'une très belle couleur. Hop, je vous les mets déjà comme ça, mais je vous les montre en détail. Hein. Vous voyez? Du rose, du beige, du rouille, du marron, beaucoup de couleurs automnales. Alors, ce sont des cartonnettes comme ceci. Donc, il y a juste les numéros. Voilà, 31, 32, 33, etc. Il n'y a rien d'autre dessus. Voilà les premières couleurs. Joli camaïeu de rouille orange jaune. Les autres couleurs. Et toutes plus magnifiques les unes que les autres. Les vieux roses, les roses, les bordeaux, les marrons foncés, des beiges, des rouilles. En deux rouilles, il y en a. Hein. De toute façon, c'est beaucoup des rouilles, des marrons. Hop, allez, mets-toi bien. C'est pour moi bien vous les montrer. Voilà, regardez-moi ça. Là, si vous aimez les couleurs automnales, regardez ce violet qui est mini beau. Au milieu de tous ces marrons.
Vraiment magnifique pour les couleurs. Alors, je vous fais découvrir ma bêtise. Je pense que certains d'entre vous auront déjà compris. Eh ouais! Je ne l'ai pas pris en estampé. Bon. Alors, je vais voir. Peut-être que je me le ferai quand même. J'attends quelque chose d'une boutique. Donc, je verrai quand je l'aurai reçu. Puis on verra. Donc, c'est du 14CT. Donc, c'est une toile Aïda, hein, comme on a toujours. Alors, ici, elle est quadrillée. Alors, le quadrillage est bien fait, par contre. Hein, il est bien imprimé partout, vous voyez. Bon, ici, on a quand même la bordure, la lisière. Mais c'est pas surjeté. Donc, c'est une toile qu'il faudra surjeter avant de l'utiliser. Mais sinon, niveau quadrillage, bah, écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Là, c'est vraiment nickel. Hein. Donc, quadrillage comme ça, c'est bien aussi quand vous faites du point compté. Parce qu'au moins, vous pouvez suivre carré par carré avec votre patron et votre toile. Si vous voulez travailler carré par carré. Et puis pour retrouver le milieu tout de suite, bon, bah, au moins vous savez déjà où vous êtes. Donc c'est une toile qui va se laver, hein, bien sûr. Alors, là par contre, il y a une lisière. Vous voyez? Donc on va plier avant la lisière pour trouver le milieu. Parce que ça, du coup, on ne va pas le compter. Si vous voulez que votre toile soit bien au milieu. Voilà. Par contre, là, on peut faire du bord à bord. Voilà. Je remarque bien le milieu. Voilà, votre milieu, il sera ici. Donc, le milieu est en plein milieu d'un carré. Mais bon, voilà. Ça, c'est le carré du milieu, ici. Donc, oui, quand vous avez une lisière comme ça, évitez de la compter parce que, bah, du coup, vous allez perdre un centimètre sur votre toile quand vous voulez trouver le milieu. Voilà, c'est juste une petite astuce. Donc, voilà. Bah, écoutez, ma petite bêtise. Hein, donc, je verrai ce que je vais faire. Je vais attendre de recevoir ce que j'ai demandé dans une autre boutique. Et puis, je vous tiendrai au courant. Mais sinon, les couleurs sont magnifiques. Comme dirait une certaine personne de la télé. Alors, ce kit de broderie. 14CT en 40-50. 14,99 €. Voilà. Dernier article, donc c'est le Diamond Painting, voilà. Donc il a 20 couleurs, c'est un 40-30 avec des perles rondes, bien sûr. Donc on va avoir comme d'habitude le petit toolkit. Excusez-moi, je suis en train de régler ma lampe, elle s'est déréglée, voilà, désolée. Donc, on a le petit toolkit et on a des perles rondes en chapelet séparé. Alors, je vous montre déjà le plus grand. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas le vrai blanc, hein, c'est le 38-65. Donc là, on va avoir de quoi faire. Hein. Donc, vous aurez compris que ça, bah, ça va être la couleur du fond. Hop, on va mettre sur le côté et ensuite les autres couleurs. Donc j'aime bien aussi comme ça parce que si vous reste des perles et que le paquet n'est pas entamé, ben c'est plus facile à stocker si vous gardez vos perles. Joli bleu, il y en a différents.
Alors, attendez. Allez, voilà. Un marron. Beige. Un autre beige. Un petit jaune. Du rose. Oh, je vais faire, je fais attention, il a été coupé vraiment au bord. Alors, arrête de flouter. Voilà. Un bleu roi. Voilà. Un kaki. Et un marron. Ouais, je fais attention parce que vous voyez, il a été coupé vraiment à ras bord. Allez, voilà. Oh, mais alors 40. Oh, j'ai une carole qui se promène. Oui, c'est bien ce que je dis. Il faut que je fasse attention au petit sachet là. Enfin, je vais vous mettre dans un sachet zippé. 40, 30. En 20 couleurs. Et voilà, des petits toutous. Bon, ça me paraît pas là, là, comme ça, quand on le voit, mais quand, avec les perles, il va rendre beaucoup mieux. Donc là, on a le petit Yorkshire, donc ce sera Jerry. Et ici, on a le petit Bichon, donc c'est Pacha. Voilà, tous les deux sur les petits coussins et nuages avec un arc-en-ciel derrière eux. Voilà, vous voyez, tout le fond est blanc. Chouchou va s'amuser. Parce que c'est lui qui va le faire. Vous retrouvez en haut à gauche, en bas à droite, la légende. Alors, niveau légende, qu'est-ce qu'on a? Des lettres majuscules, vous voyez. Alors, celui-là, par contre, faut le voir. Hein. Alors, attendez. C'est un P. Ah, c'est un P. Et ils les ont vraiment imprimés très clair là quand même. Mais bon, donc ça c'est les numéros pour repérer vos sachets. Et là, les références DMC. Ici, on va retrouver le petit dessin. Mais comme d'habitude, hein, je vous mets la photo, ça rendra beaucoup mieux. Niveau impression, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Hein. Voilà. Très bien imprimé, hein, malgré que ça a l'air clair. Bon, là, le rose, faut le deviner quand même. Hein, voyez, rose sur rose, ça ne fait pas beaucoup. Mais bon, ça, le rose sur rose, c'est le numéro 11, c'est le 3607. Voyez, on le voit ici. Mais bon, ils auraient pu faire mieux là. Sinon, à part cette couleur-là, ça va très bien. Là, c'est moi qui l'avais choisi. J'avais trouvé mignon. Il existait aussi en broderie. Et j'ai dit, bon, je vais prendre en DP pour chouchou. Hop, je remets bien le plastique. Voilà. Ah, ben alors, il ne veut pas là, ce côté-là. Voilà. Non, mais on ne va pas se laisser embêter par un bout de plastique. Niveau colle, je ne vous ai pas montré. Ça va très bien. Ça colle bien. Donc, je pense que le résultat va être très beau. C'est juste là, au niveau de l'impression, ils ont fait un peu trop pastel au niveau de l'impression, mais sinon, ça va. On voit très, très bien quand même les différentes perles. Et puis là, bon, celle-là, comme je vous le disais, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a 26 perles à mettre pour cette couleur-là, donc ça va. Et c'est, ça doit être celle-ci. Oui, c'est celle-là, vous voyez.
Donc, non, il va être très bon. Donc, voilà. Alors, ce DP, je ne vous ai pas donné le prix, est à 4,99 €. Et je ne vous ai pas donné le prix de la boîte également. La voici. Donc, avec 12 conteneurs ronds, elle est à 3,69 €. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez vu aujourd'hui. Le petit DP avec les petits toutous. La boîte pour ranger des perles ou ce que vous voulez. Et la broderie de la marque russe, mais qui là est en point compté malheureusement. Mais bon, je vous tiens au courant pour celle-là, ce que je vais faire. Je vous laisse pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie beaucoup et surtout je les remercie pour leur patience avec les problèmes que j'ai eus avec mon adresse email. Je remercie beaucoup la boutique GBFKE. J'aime beaucoup travailler avec eux. Leur patience, leur gentillesse et puis la communication qu'on a ensemble est toujours vraiment nickel. Je vous remets en barre d'infos comme d'habitude tous les liens utiles et nécessaires. Je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux. S'il y en a un, je vous le rajoute et je vous l'incruste dans la vidéo comme je fais d'habitude. Dites-moi si vous avez déjà fait cette broderie en point compté ou en estampé. Dites-moi si vous avez déjà fait ce DP, si l'un ou l'autre de ces articles vous intéresserait, si vous avez envie de les acheter ou pas. Vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, je n'oblige à rien du tout. Mais j'aime bien savoir, comme ça je connais un peu vos goûts également. Voilà, allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.